Là, je viens de me faire une petite folie. C'est-à-dire, tu sais, quand tu es DJ, tu rêves de pas mal de choses. Donc moi, je rêvais des DJ, déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, d'avoir une radio et ensuite d'avoir un club pour pouvoir aller directement de la fabrication à la diffusion de mes musiques. Donc j'ai comme ça, il n'y a pas d'intermédiaire. Je peux jouer ce que je veux. Donc là, l'Amnesia, un petit club à Miami, 2000 places. On s'est fait plaisir. Voilà, j'ai investi là-dedans, mais c'est pas uniquement de l'argent, c'est aussi un plaisir parce que j'ai participé à la création du sound system. Joachim Garraud a créé toutes les lives, donc le DJ. Et ensuite, il y a André Boudou et son fils qui s'occupent de la gestion du club. Donc voilà, c'est un truc de famille. Soirée d'inauguration, ah, c'était assez intense parce que j'étais très timide et j'étais un peu stressé, comme si je jouais pour la première fois à l'époque, je créais ma propre soirée et que je voulais jouer du hip-hop et j'emmerdais tout le monde, je voulais jouer ce que je veux, mais là c'était un peu différent, comme il y a un gros show, les gens regardaient les écrans, c'était assez bizarre et j'étais très stressé, je m'étais fait une petite playlist, c'est comme une anti-sèche pour rien oublier. Donc c'était magique parce que le sound system est vraiment de folie et voilà, c'est... Je joue à la maison, quoi, c'est mon club. Il y a une grosse concurrence à Miami, donc il y a beaucoup de clubs, donc les gros DJ sont tous bookés à des sommes incroyables. Là, en ce moment, c'est un peu la surenchère, donc on va essayer de ne pas rentrer justement dans cette surenchère et peut-être inviter plus des DJ français un peu moins connus, mais essayer de créer des soirées à thème, peut-être essayer de créer justement des DJ aussi, de faire monter un peu le buzz sur certains noms. La concurrence est rude, mais il y a aussi une grosse... La concurrence, c'est bon, de temps en temps. On apporte un produit qui n'existe pas. C'est un truc, il y a vraiment un club avec un gros dance floor, le DJ est vraiment la superstar. Dance floor devant, VIP derrière. Et aujourd'hui, moi, depuis 12 ans, je viens jouer ici, j'avais vu l'évolution du clubbing aller vers un clubbing plus VIP, où on fait les entrées à 100$, où il n'y a que les gens qui ont beaucoup d'argent peuvent rentrer dans le club, ils peuvent... Tu sais, ils transforment les dance floors en VIP, donc ils mettent des bouteilles, alors c'est 5000 la table, machin, voilà. C'est uniquement réservé qu'à des gens exclusifs. Moi, je veux pas de ça, moi, je veux un mélange. Je n'ai eu aucune idée, c'est Chris qui a eu l'idée, parce qu'il est venu chez moi en vacances hein, et il m'a dit si on faisait une discothèque à Miami. Alors comme j'avais déjà fait cette discothèque en 94... Non, bon, c'est pas tout à fait ça, t'es gentil avec moi, mais on lui a proposé l'idée et il était un peu hésitant, il disait je l'ai déjà fait, tu vois, quand t'as déjà fait des choses et que t'es au sommet, refaire les choses un peu, c'est toujours un peu ennuyeux, mais moi je lui ai dit, écoute, Dédou, c'est mon rêve de faire un club, si t'as envie, on le fait ensemble avec Grégory et on y va dans l'aventure, quoi. Ah, il dit, là c'est différent, donc on va réfléchir, on fait un truc en famille. Et maintenant on est dans la merde. Maintenant on est dans la merde.